Bonjour les gens, c'est Nasband, comment ça va? Moi je vais super bien, on va continuer aujourd'hui cette suite de Obscur avec la Team Pouf. Ah oui, c'est vrai, il fallait que je modifie ma résolution d'écran, j'avais oublié ce petit détail. Bref, on se rejoint tout de suite. Voilà les gens, on est de retour, on va bien voir si ça marche. Mais oui, ça y est, cette fois j'ai un réticule. Ok, c'était quoi déjà la note? Merde, comment je fais déjà? Ouais, connexion expert, je m'en fous, je m'en branle. Ah, bordel. Une source lumineuse, qu'elle veut. Je sais plus ce que c'était le chiffre indiqué. Ah bah tiens, voilà une de source lumineuse. Hein? C'est nickel, ça. Pas besoin de plus. 2, 4, 3, 2. Ça marche. N'importe quelle fenêtre marche, en fait. C'est très bien. Et une fois que j'ai résolu l'énigme du coffre, je me remets en 1281. Attends, j'ai déjà oublié le code, faut que j'arrête de parler. Faut pas que je... Putain, la mémoire de poisson rouge, non, vous avez vu ça, quoi? Sérieux! Je suis trop fort, des bouquins de toutes sortes, je m'en fous. Utiliser 2, 4, 3, 2, 2, 4, 3, 2, 2, 4, 3, 2, 2, 4, 3, 2, 2, 4, 3, 2, 2, 4, 3, 2. Ah oui, c'est vrai. 2, 4, 3, 2. 2, 4, 3... Deux. Pouf! Ah bah c'était pas dur hein. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Clé de la bibliothèque, c'est cool. Cher Léonard, cher Herbert, c'est en qualité d'ami que je vous écris. Je sors de la conférence de Seattle où votre livre La vie éternellement. La vie éternelle est possible a fait l'effet d'une bombe. Vos découvertes contredisent totalement les théories du docteur Léon Korsenberg et j'anticipe une réaction défavorable du conseil. Vous avez de virulents détracteurs qui craignent que vos recherches n'atteignent la morale et n'entachent toute communauté scientifique. J'ai bien analysé le dossier, il est certain que votre théorie va à l'encontre de la première loi d'éthique médicale. Vous savez que sans soutien de renom, elle n'aura d'autre destin que de tomber dans l'oubli. Et malheureusement, je n'aurai pas suffisamment de poids pour éviter cela. Hors de la communauté scientifique, point de salut, vous le savez. Je crains même des sanctions à votre égard et je ne saurais trop vous conseiller de mettre vos travaux en lieu sûr. Je vous prie de croire, mes chers amis, à l'assurance de ma considération distinguée, bien également votre dévoué Walt Kiridan. C'est qui ces cons? Ouais, donc... je vais sauvegarder. Et revenir en résolution 1280. Voilà, on se retrouve tout de suite. Voilà, j'en ai de retour, on est de nouveau en 1280, ça fait du bien, ça fait plaisir. Donc j'avais la clé de la bibliothèque, comment je faisais pour regarder la map déjà? Pistolet avec lampe. Ah, R c'est pour recharger rapidement, c'est cool. C'est toujours bon à savoir. Comment? Ah, P. Voilà, oui, P comme plan. Voilà. On me l'a dit dans les commentaires. Hein. D'ailleurs, la dernière fois c'était de l'humour, hein. Fallait pas vous exciter comme ça. Alors, j'ai la clé de la bibliothèque, mais je suis pas dans la bibliothèque, là, du tout. Mais je suis dans la bibliothèque. Oui, totalement. Bon, bah, on verra bien. Hein. On n'est plus à ça près. Il y en a un qui peut se battre. Ça t'apprendra. Non mais pour qui il se prenait lui? Je les avais pas tous butés. Non mais ça me suit ce machin. Alors la bibliothèque. P. Ouais bon. Je le saurai jamais. Ah! Un disque de sauvegarde. C'est nickel. J'ai déverrouillé la porte. Déverrouillé la porte pour aller où? À la bibliothèque? Ah bah oui, je suis dans la bibliothèque. C'est pas merveilleux tout ça? Il y a un papier là qui semble important, qui ne l'est pas du tout. Il y a tellement de bouquins que j'en ai la tête qui tourne. Bah oui, hein. Tu dois pas être habitué à lire en même temps. L'escalier est un petit peu pété. L'escalier en combinaison est à moitié détruit, impossible de monter par là. Et je suis sûr que je dois monter. Le destin frappe une nouvelle fois la famille Friedman. La commune est endeuillée par le mort de Leonard Friedman. Plus qu'un citoyen, la ville a perdu un brillant chercheur consciencieux et dynamique. Leonard menait de l'avant les travaux de la fratrie, ne reculant devant aucun obstacle. La communauté scientifique, malgré les divergences avec le duo, avoue, il était de ceux qui auraient pu nous faire avancer à pas de géant. Comme tous les événements de cette famille hors du commun, la mort de Leonard Friedman reste énigmatique. Pourtant, bon pilote, Leonard aurait perdu le contrôle de son avion avant qu'il ne s'abîme en mer. Son frère jumeau Herbert, seul rescapé de ce terrible accident, a été repêché au large de Long Island. Ouh, il y a un peu de noir ici. Il y a quelque chose là? Non? Les vieux PC pourris là. Il y a une note là, non? Mais sérieux, je dois faire quoi dans cette bibliothèque à la con? Carte, personnage. Bon, les personnages ont l'air d'aller. Bon, il y a bien
y a bien l'autre là, Shannon Matthews, qui s'est fait avoir un peu, mais c'est pas grave. Elle est pas en état de mort cérébrale non plus. Enfin, si, ça l'est, mais où? Monsieur le directeur, c'est horrible. Que faites-vous encore ici? Pourquoi n'êtes-vous pas chez vous? Mais monsieur, ça grouille de bestioles affreuses. Quoi? Dans le lycée? Oui, elles sont partout. Vous devez faire quelque chose. Kenny a disparu. Monsieur Walden a dit qu'il prévenait la police, mais... Monsieur Walden est là? Oui, et heureusement, parce qu'il nous a... Allez tout de suite voir le gardien qu'il vous fasse sortir d'ici. Je le préviens. Et que je ne vous revoie pas avant demain matin. Et pour Kenny? Je m'occupe de tout. Partez d'ici, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Et non, on va décider du contraire, bien sûr. Ah bon? D'accord. Donc on reste ici jusqu'au lendemain matin. Ah ben non, on reste ici jusqu'à la nuit, ok. Alors, gardien. Pouf, la porte est fermée à clé. Qu'est-ce qu'il disait, lui? La végétation est vraiment très étrange, surtout les arbres. Deux autres porteurs ont disparu et nous avons retrouvé un cadavre déchiqueté. Les indigènes effrayés veulent quitter l'île. Pourtant, je pense que nous touchons au but. La flore évolue au fur et à mesure de notre progression qui est difficile autant physiquement que moralement. Bizarrement, la faune se raréfie, l'ambiance est lourde et le silence pesant. Les spécimens trouvés ici et la géologie montrent que cette île a été coupée du monde et a subi un développement écologique parallèle depuis 3000 ans. Or, ce temps ne suffirait pas à provoquer des changements aussi brutaux. Il faudrait... J'aime pas du tout ça. Il faudrait des millions d'années, quelque chose à accélérer l'évolution des espèces de cet écosystème. Je veux comprendre de quoi il s'agit. Nous avons une piste, des putréfactions noires qui se manifestent pendant la nuit sur les végétaux semblent de plus en plus présentes à mesure que nous progressons vers le nord. Des traces indiquent que cela pourrait provenir d'une plante tuberculeuse. Demain, nous devrions atteindre le piton volcanique. La Terre est meuble dans cette partie de l'île, ce qui devrait faciliter nos analyses du sous-sol. Leonard Friedman, journal de voyage le 21 juin 1895. Putain, qui c'est qui m'appelle? Génial, c'était le bon moment pour avoir affaire à un faux numéro. Donc, il faut que j'aille voir le gardien. Mais genre, c'est la nuit, là. J'ai plus le soutien des fenêtres. C'est génial. Ça donne envie. Elle est pourrie, cette bibliothèque. Ça a chier. Mais genre, pourquoi la nuit est tombée d'un coup, là? J'ai pas compris, ça. Allez, on se casse. Oui, se casse. Jeu de mots moyen. Jeu de mots pourri, on va dire même. Alors, ici, ce coup. Ok, cassons-nous. Cassons-nous. Cassons-nous juste. Ok? Quelque chose s'est effondré. Yep. On a entendu. Ils sont encore là, les crétins, là? Ok, je te suis. Non, non. Shannon, tu viens avec moi. D'accord, je te suis. Voilà. T'es gentil parce que toi t'as un flingue, hein. Qu'est-ce que ça dit, ça, par terre? Rien du tout. Le gardien, il est où? Ah, il est au réfectoire. J'espère que c'est ouvert. Allez hop, allons prévenir le gardien. Espèce de mort sur patte. Vous vous en sortirez pas comme ça. Approchez. Oups. Je dirais que le gardien est mort. Un petit peu. Ok. Monsieur Garrison, tout va bien? D'accord. C'est un fusil à pompe semi-automatique? Attends! Quoi, cette arme de folie là? C'est en des munitions de fusil à pompe. Alors écoute, on va donner le. Tu prends ça à la place, toi. Y'a moyen de scotcher une lampe sur le fusil à pompe? Attends voir. Genre, on peut pas scotcher la lampe au fusil à pompe, quoi. La porte est bloquée. Oh! Lampe torche de bonne qualité nous permettra de mieux voir dans l'obscurité. C'est pas merveilleux. Ah bah c'est mieux là. Attends, je peux pas enlever la lampe du vieux pistolet. Examiner. Pistolet avec une lampe, ok. Youpi. Je vais pas mettre ma lampe sur... Ok. Bon, bah tant pis pour la lampe torche de bonne qualité. Je sais pas comment enlever, scotcher la lampe à...
pistolet avec une lampe. Scotcher la lampe à... lampe torche de bonne qualité, non. Eh ben, va te faire voir, ce sera une lampe torche toute pourrie. De toute façon, on le fait bien son office, hein. C'est genre... pouf. Pouf, pouf, pouf. Il va bien, le gardien? Oh mon dieu, c'est... Enfin, c'était le gardien. Allons voir. Je ne dis que ça. Alors, il paraît que la mort est extrêmement punitive dans ce jeu, parce que quand vous perdez un personnage... J'ai besoin d'un magnéto. C'est la cassette de vidéosurveillance d'hier soir. Il doit y avoir un magnéto ici. Hein? L'infirmière? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle à l'aide. Elle demande de l'aide. Il faut aller la voir immédiatement. Mais oui, on se transforme en équipe de secours maintenant. Appuyez sur P. Alors, l'infirmière... Ok, bah je ressors pour le réfectoire et je vais à l'infirmerie. Hein. Elle va se faire buter aussi, je suppose. Super, ce magnétoscope est en état de marche. Super, j'ai une vidéo. Cassette vidéo, sujet 37. Ben tiens, je l'ai pas vu celle-là. Hé hey. Mais c'est Kenny. Mais oui, c'est Kenny. Il est vivant. Il faut le retrouver. Putain de chien, mais... Vidéo de surveillance, allons voir. C'est un magnétoscope Soon. Eh hey. C'est une archive de vidéosurveillance. Yep. Quelqu'un sort du gymnase. Où ça, où ça, où ça? Ah là. Quelqu'un d'autre le suit. Ah mais c'est Kenny. On dirait Kenny. Oh, plus vite, ça on s'en fout. Stop. Là. Le type là. C'est Friedman. Super. Pourquoi Kenny le suit? C'est lui le grand méchant. Et où est-ce qu'il va? D'accord. Un passage secret. Kenny... Il va pas le suivre en bas, quand même. Vite. On ressort. C'est Friedman. Il ferme derrière lui. Oh, le salaud. C'est lui, le grand méchant. Et genre, tu vas accélérer jusqu'à où, comme ça? Eh, hey, mais c'est qui, lui? Qu'est-ce qu'il fait? J'y comprends plus rien. T'arrêtais tes accélérations à la con aussi. Le voilà qui ressort déjà. C'est pas moi qui fais, hein. Il m'a l'air bien pressé. Oh, les monstres. Ils viennent de là. C'est lui qui les a fait sortir. Nickel, bon. Qu'est-ce que ça dit sur les écrans? Ce sont des moniteurs à magnétoscope. On peut donc regarder des vidéos ici. Il y a une cassette vidéo là. Je peux pas la regarder? Non mais genre en déplaçant la chaise peut-être. Allez, dégage la chaise. Super, ce magnétoscope est en état de marche, ça veut dire que je peux regarder ici? Oui, je peux regarder ici. Mais c'est pas le bon. Appuyez sur entrée pour pousser, appuyez sur échappe pour arrêter la lecture de la vidéo, c'est bon, j'ai déjà vu une fois. Allons à l'infirmerie. La 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 la. Nous nous baladons jusqu'à l'infirmerie. Ouais. Mais genre, je peux pas aller dans la pièce du... Ici, là. Réfectoire. Il doit y avoir 2-3 monstres. C'est quoi ça? Qu'est-ce que... What the fuck is that? Qu'est-ce que c'est... T'es mort. Je crois qu'il y a une étudiante qui y est passée. Non bah, pas de problème hein. On gère. C'est par où ensuite? Faut prendre la porte vous croyez? J'ai bien envie d'aller voir l'étudiante là quand même. Voir s'il n'y a pas quelque chose sur elle. Ah bah il y a des munitions. Ça c'est bien. On est bien dans une école américaine hein, il y a des munitions partout. C'est par là que sont entrées ces bestioles. Ouais, mais l'étudiante. Mais hé hey. Elle a été où l'autre conne? Wow. Où sont-ils? Je veux me battre, moi. Je vais me chercher.
faut que je voie l'état du personnage là. Oh là là, ils se sont pris des coups. Un energy drink. Et maintenant on se casse. On se casse, c'est bon, j'ai plus beaucoup de vie avec les deux personnages là. Je voulais garder tous en vie. Donc ça va. Mais putain, mais lâche-moi! Ils sont où? Que je leur fasse leur tête. Elle est efficace avec son fusil à pompe là, Ashley. Il rentre par là, ok, la carte. Ça va, j'ai pas pris trop de dégâts. Allons par là. C'est condamné. De l'energy drink! Yes! Un CD de sauvegarde. Je suis bien tenté de sauvegarder maintenant, mais non. Faut pas. C'est condamné. Super, mais je dois faire quoi alors? Qu'est-ce que t'attends pour te battre? Mais genre, ils apparaissent en permanence en fait. Ça sert à rien d'aller dans le réfectoire. Dans le réfectoire. Attendez voir. Peut-être là. Bah vas-y, on prend ça. Bon non, d'accord, on se casse. Ça sert à rien d'être ici. On va juste se casser. J'aime pas du tout être ici en plus. C'est flippant. Allez, on se casse. On se casse. J'en ai assez vu. En plus, ce jeu a tellement de bruit d'ambiance que je sais jamais ce qui m'attaque réellement, hein. Et ce qui est là, juste pour le lolz. Je vais aller à l'infirmerie par l'autre porte, hein. C'est bon. Ici, je risque rien, il n'y a pas de monstre. Ça marche? Ouais, donc on va aller à l'infirmerie. En plus, c'est ouvert, je vois pas pourquoi ils veulent me faire passer par le réfectoire et tout le bordel, là. L'infirmerie est ouverte, faut arrêter le délire. Quand même pourri comme école américaine, hein. Let's go! Mais genre, je peux pas accéder à l'infirmerie d'ici, vous êtes sûr? Et ici, c'est quoi? C'est la librairie. L'infirmerie! Nickel! La porte est fermée à clé, mais je t'en foutrais. Bref, sur ce, on s'arrête là parce que ça fait 20 minutes, hein, donc on va sauvegarder un coup. Pouf. Voilà. Et on va s'arrêter là. Allez, hop. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la commenter, de la mettre en favori si elle vous a vraiment plu, de la partager sur tous vos réseaux sociaux, ça fait plaisir. Et de nous laisser un j'aime, surtout, c'est hyper important, hein, ça nous aide à progresser. Si vous voulez nous aider à progresser, laissez un j'aime, hein. Pouce vert. Et surtout, vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook, hein, ou sur Twitter, autant moi que à droite. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, moi, je crois que je vous ai tout dit. Alors, à plus les gens, c'était Nasband pour vous servir. Bye. Oups, est-ce que j'ai dit ça tout haut? Et un tremblement de terre pour la une. Un. C'est devenu noir très vite. Peut-être, juste peut-être.